Rares sont les breaks 100% électriques sur le marché. Peugeot entre dans le game et convertit sa 308 SW dans cette toute nouvelle variante 100% électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent. Ensemble nous allons voir si la E308 SW a vraiment les armes nécessaires pour se faire une place sur le marché ou si malheureusement elle est déjà vouée à jouer les figurantes. Tout comme la berline, la version SW nous fait bien vite oublier le design sans grand intérêt des deux générations précédentes. Malgré ça, avec la récente évolution du style de Peugeot, je trouve que la face avant a pris un léger coup de vue anticipé et un rafraîchissement serait le bienvenu quand même. J'adore l'énorme calandre qu'on a sur la 308 qui donne l'impression d'avaler la route et sur la finition GT qu'on a ici, on a donc le blason au centre et surtout la calandre est spécifique, elle a plein de petits points qui viennent s'élargir sur le côté, ça donne un peu un effet 3D très réussi. La finition allure, elle, se contente d'une calandre beaucoup plus simple, beaucoup plus uniforme, c'est un peu moins joli. Les griffes positionnées bien à l'extrémité de chaque côté du véhicule lui donnent un air vraiment agressif, c'est la signature lumineuse mais c'est aussi les clignotants. La 308 SW mesure 1m85 de large pour 4m64 de long, mais c'est ces 1m44 de haut seulement qui lui permettent d'être efficiente, ramassée et sportive. La 308 a une garde au sol de seulement 12 cm et lorsqu'on monte à bord, on est vraiment assis à ras du sol. À bord, c'est la même chose que dans la 308, donc on a cette planche de bord en deux parties avec une partie basse plutôt sobre et une partie haute très proéminente qui intègre le high cockpit et les ouïes d'aération. Globalement, le résultat est plutôt sympa et d'ailleurs, il contribue à cette sensation d'être assis très bas. À bord, on a très peu de boutons physiques, quelques-uns ici, quelques raccourcis, mais sinon, toutes les commandes passent par l'écran central avec une interface qui est plutôt intuitive, mais bon, qui répond pas toujours de manière fluide. Et en bas, on a 6 petits boutons raccourcis qui permettent d'accéder au CarPlay, à la téléphonie, à la navigation, les commandes de climatisation, les médias et le retour à l'accueil. Une mise à jour a été faite depuis notre essai de la version hybride rechargeable dont je vous mets le lien en description, mais franchement, on relève encore quelques bugs par-ci par-là. Ça a réglé les problèmes avec CarPlay et surtout l'utilisation de Waze, mais il y a encore quelques bugs comme l'écran qui s'éteint, même le high cockpit qui s'éteint, enfin plein de petits bugs par-ci par-là, c'est encore pas génial quand même. On trouve sur la partie basse un chargeur d'induction qui est pas placé vraiment idéalement quand même. Un truc que j'aime beaucoup chez Peugeot, c'est ce petit volant très typé sport, même si avec le high cockpit qui est placé haut, c'est pas toujours évident de trouver sa position de conduite, mais une fois qu'on l'a trouvé, franchement, c'est super agréable, le petit volant qui tient dans la main parfaitement. J'adore. Au niveau de l'espace arrière, clairement, on est loin d'être le meilleur de la catégorie. J'ai un peu les genoux dans le volant. Je suis pas hyper bien installé. J'ai de l'espace à la tête, ça, il n'y a pas de souci. Le dossier est un peu droit. C'est pas dingue quand même, hein. Ce que j'aime bien à l'arrière de la 308, c'est qu'on retrouve l'esprit sportif qu'on a à l'avant avec les sièges qui ont un très beau dessin, les petites surpiqûres vertes, les petits inserts dans les portes. Franchement, on retrouve l'aspect sportif qu'on a à l'avant, à l'arrière. Le seul hic, c'est vraiment le manque d'espace. On retrouve à l'arrière deux prises USB-C. Et au niveau de la coudeur centrale, pas de trappe à ski. C'est un peu dommage quand même. Mais bon, il s'agit d'un break, donc ce qui nous intéresse forcément, c'est le coffre. Et d'ailleurs, la partie arrière est ma partie préférée en termes de design, avec les feux qui sont spécifiques à la finition GT, avec les lumières en diagonale et qui s'étendent jusqu'au bout, alors que sur la finition allure, ils sont droits et ils s'arrêtent ici. On a également le logo qui ressort de la carrosserie, je trouve que ça fait un effet vraiment très joli. Et ici, juste là, le petit E, c'est le seul indice qui permet d'identifier la version électrique de la version 100% thermique. On a enfin un arrière rosé sur un break Peugeot. Le volume de chargement est plutôt bon avec 548 litres et si on veut atteindre les 1574 litres disponibles, il suffit de tirer sur les petites languettes de chaque côté pour déverrouiller les sièges. Ce qui nous donne un plancher quasiment plat. Sur la berline comme sur le break, on retrouve le moteur de 115 kW pour une puissance de 156 chevaux. Peugeot a fait le choix d'équiper la 308 d'une batterie lithium-ion d'une capacité de 54 kWh, ce qui lui donne selon le cycle WLTP 410 km d'autonomie. En réalité, ce sera plus dans les 350-360.
C'est un peu limite quand même, ça en fera pas une voyageuse. Et d'ailleurs, si on allait voir ce que ça donne sur la route, et niveau recharge. Allez, venez avec moi. Évidemment, au volant, de manière très classique, on a trois modes de conduite, le mode éco, le mode normal et le mode sport. En mode éco, clairement, la voiture est un peu molle, mais bon, c'est le but. Alors qu'en mode normal, là, elle se montre un peu plus dynamique. Sur les petites routes de campagne, franchement, c'est plutôt pas mal. On a une bonne direction, assez précise. On a un amortissement qui est correct. C'est un peu ferme, mais franchement, ça va, c'est pas si dérangeant. On a un très bon rayon de braquage qui est donné pour 5 mètres. C'est, franchement, ça la rend très agréable. Le détail qui pour moi manque sur la 308, c'est l'absence de maintien de freinage. Quand on est au feu rouge et choses comme ça, bah, c'est quand même plutôt agréable. Autre chose agréable qu'on retrouve souvent sur les voitures électriques et qui est malheureusement absent sur la E308, et bah, c'est le One Pedal. Malheureusement, il n'y en a pas. Bon, alors, vu qu'il n'y a pas de One Pedal, si on testait le mode B, parce qu'il y en a quand même un. Et malheureusement, il n'est pas réglable. Donc, on appuie sur le petit bouton et voilà. Et là, donc, je relâche la pédale. Je le sens, mais franchement, il n'est pas violent. Hein. Il pourrait être un peu plus présent. Mais bon, quand on l'enlève et qu'on relâche la pédale, là, on est quasiment en roue libre. Donc, il a quand même le mérite d'être là. Il n'est pas génial, mais il est là. Au niveau du confort des sièges, alors, c'est plutôt moyen. Ils sont pas désagréables, ils sont quand même bien enveloppants. Ils sont très beaux, ça, il n'y a rien à dire. Mais, bon, c'est pas tout ce qu'on leur demande quand même. C'est cool qu'ils soient beaux, mais bon... S'ils pouvaient être vraiment confortables, ça serait quand même mieux. Et là, bah, ils sont un peu fermes. Ça tient quand même bien la route là, parce que j'ai pris le virage un peu fort avec quelques accidents sur la route. Franchement, ça bouge pas et c'est plutôt pas mal. Si on passe en mode sport, on va voir ce que ça donne un petit peu. Voilà, j'appuie sur l'accélérateur. Ouais, bon, c'est pas fulgurant non plus. Ça la rend un peu plus dynamique, mais bon, elle a que 156 chevaux, c'est quand même un peu léger. Ouais, ça bouge pas, hein, dès qu'on met, même en accélérant en virage, la 308 bouge pas. Elle tient vraiment très bien la route. Au niveau de la consommation en ville, on est sur du à peu près 11 kWh, c'est franchement très bon. Sur un cycle mixte, je suis plus autour des 13 kWh, ce qui reste vraiment très très bon. En fait, dans l'ensemble, elle est plutôt efficiente cette voiture, parce que même sur autoroute, on n'atteint pas les 20 kWh, on est plus autour des 18, ce qui est vraiment très bon. Son gros problème, c'est la taille de sa batterie, parce que c'est une petite batterie de 54 kW. Et ben, franchement, c'est dommage, parce que tous les concurrents mettent des batteries plus grosses pour qu'on ait des autonomies plus élevées. Et là, ben, on a une petite batterie, du coup, on va être sur autoroute obligé de s'arrêter tous les 200 km, voire 150. Franchement, c'est pas possible en 2023 d'en être encore là. C'est vraiment dommage que le frein sur cette 308 soit cette batterie, parce que clairement, c'est une bonne voiture au quotidien. Elle est agréable, elle est confortable, elle est spacieuse. Mais cette batterie fait que, malheureusement, ce ne sera pas une voiture qu'on pourra choisir pour la famille, pour partir en voyage. C'est une voiture qu'on peut prendre facilement au quotidien, pour rouler en ville, pour aller faire les courses, pour faire tout ce qu'on fait au quotidien. Mais clairement, pour voyager, ce ne sera pas un bon choix. Affichée à 46 580 €, cette E308 SW se montre vraiment trop chère pour des prestations franchement moyennes. La concurrence fait mieux pour moins cher. Vraiment, mauvais choix. Si c'est vraiment un break que vous cherchez et que vous le voulez absolument en version 100% électrique, je vous invite à me retrouver sur l'essai de la MG5. Et sinon, pour un break alliant le plaisir de l'électrique, mais surtout l'efficience du thermique, je vous invite à me retrouver sur l'essai du Volkswagen Arteon Shooting Brake.